La France! Je m'adresse à vous autres, tabarnak! Surtout la bourgeoisie, la classe de travailleurs, ceux qui ont surtout des jobs, un boulot, surtout non gouvernementaux! C'est là, OK? J'ai du Québec, c'est là, OK? Peut-être que vous allez avoir un petit peu de la misère à comprendre mon français de Québécois, là, OK? Un accent quelconque, là, mais assez de concentrer un peu plus peut-être que l'habitude que vous le faites. Vous avez bientôt des élections cruciales pour votre futur à long terme de la France. Je vous implore d'utiliser l'Internet, un des outils les plus extraordinaires de votre histoire, de l'histoire de l'humanité, pour avoir les faits, les vrais faits, la vérité que votre gouvernement, que votre État, que la plupart de vos politiciens vous cachent de la part des élites, les pouvoirs cachés, invisibles, qui essayent d'empêcher à tout prix Marine Le Pen de venir au pouvoir. C'est peut-être la dernière occasion de votre histoire avant que vous allez complètement en banqueroute la France et le restant de l'Europe. Il y a énormément de sources en français, et moi je connais surtout ceux en anglais, les sources là, OK? Qui démontrent les vrais faits. Par exemple, est-ce que vous saviez que votre pays, là, OK, c'est presque impossible à impossible de savoir la vraie vérité sur l'immigration, les migrants, les réfugiés depuis des décennies, de savoir c'est quoi les vrais faits d'année en année, combien des immigrants de toutes sortes qui vont dans votre pays, que ce soit illégal ou légal, parce que votre gouvernement, depuis, je pense, depuis les années 70, si je me rappelle bien, il empêche complètement, c'est illégal. Vous n'avez pas le droit. Si quelqu'un, là, un journaliste quelconque brave dans votre pays qui essaie de trouver ça quelconque, là, la vérité sur les chiffres du pourcentage des immigrants dans votre pays et depuis les années 70 et en accélérant depuis les quelques années, ils vous cachent tout ça. Ils vous cachent ça. Surtout pour vous faire fermer la gueule. De vous garder silencieux, gentil et de ne pas venir en colère. Jamais. Comme moi. Pour vraiment enlever la brume dans votre style de cerveau pour que vous réfléchissiez un peu plus et que vous ramassiez votre courage avec vos quatre mains pour aller poursuivre la vérité. Aller voir les vrais faits qui sont contraires de qu'est-ce que les faits de votre État, de votre gouvernement sortent par vos médias monopoles et approuvés par le gouvernement dans votre pays, la France. C'est une occasion en or d'avoir Marine Le Pen aller au-devant et de se sacrifier et de se compromettre sa vie personnelle, son courage, sa vie familiale pour aider, pour récupérer la vraie France, le vrai pouvoir français de la France, puis la récupérer et tenter de la sauver, comme Monsieur Donald Trump est en train d'essayer de faire avec acharnement et énormément de difficultés aux États-Unis. Pour une fois, essayez donc de finaliser votre Christ révolution française qui est au moins 200 ans due.